Côté esprit carré, c'est appelé apôtre. Non, apôtre veut dire envoyé. Et dans l'autre question que je voulais poser, c'est que qui est-ce capable de dire moins? Et sous dit ou parler de la loi et les prophètes, qui ça semble dire? La loi et les prophètes. Par exemple, quand on a au cap lire plusieurs côtés, même dans le Testament, il référait la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, la loi et les prophètes. Mais qui ça veut dire? Peut-être nous disons en passant l'autre jour. Mais il est important que nous soyons capables de rappeler. Nous. N'importe où est la loi et les prophètes, ça veut dire Ancien Testament. N'importe où est la loi et les prophètes, ça veut dire. Avec les livres, ça veut dire des prophètes dans l'Ancien Testament qui écrit et la loi qui est écrite dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que les livres de l'Ancien Testament, ils sont capables de lire la loi et les prophètes. Ils sont capables de dire que ça est écrit dans la loi et les prophètes. Et pas veut dire et les prophètes en tant que personne. Et les prophètes en tant que personne, mais veut dire les livres que les prophètes ont écrits. Les livres, ça veut dire livres prophètes, tu écris, hein? Et les livres prophètes. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? La loi et les prophètes, ça veut dire les livres de l'Ancien Testament. Est-ce que nous là? Nous connaissons les gens qui font nous, n'a pas avancé, n'a pas point qui choye. Et continuer, point qui choye. Et donc. Est-ce que vous avez une différence entre apôtre que Jésus a gagné au premier abord, qui a travaillé l'alté sous terre, combien apôtres tu as gagné? 12. Très bien, tu as gagné 12 apôtres. Qui est la différence qui a gagné entre apôtre Sayo et apôtre Paul? Apôtre Paul, il joue bénédiction, il joue on convertit ensemble avec l'autre apôtre pour l'avoir écrit. Il dit c'est apôtre, c'est en bas l'autre, c'est donc autorisation. Donc autorisation, il y en avait parce que l'autre prophète, comment on dit. Est-ce qu'il est ensemble avec l'autre apôtre? Non, il va ensemble avec l'apôtre. Après, c'est envoyé. C'est un appelé spécial. Très bien. Apôtre Paul choisit directement par Jésus. Même Jean-Jésus t'a choisi l'autre 12 apôtres un à un. Eh bien, et différence non capable d'établir, l'autre apôtre, Jésus t'a choisi pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était là. Mais apôtre Paul, Jésus choisi, après il fut monté dans le ciel, Jésus descend de paraître pour le capable pour apôtre Paul. Vous comprenez? Jésus paraît pour le capable pour la persécuter l'église. L'église a fini d'établir. Jésus est dans le ciel longtemps. Et puis, lumière sur la route de Damas frappée. Paul, il dit Paul, pour qui ça va persécuter? Ça veut dire que son appel spécial que Jésus va apôtre Paul, il choisit pour que les capables de faire travailler ça. Donc ça fait, il est différent parce que l'autre apôtre, il était du vivant de Christ pendant que Christ était vivant. Il était vivant Christ, il était là, Christ était, il était pour Christ. Et apôtre Paul lui-même, il était contre Christ. Il était contre Christ. Mais les Christ fait monter dans le ciel, et Christ font un coup de volant, et puis il choisit à votre. Est-ce que nous là? Donc cette différence, mais c'est un apôtre et lié tout. Donc, nous disons l'autre jour que chaque livre dans le Nouveau Testament, soit il était écrit par un apôtre ou bien il était supervisé. Il était supervisé par un apôtre. Il est très très important. Et dans le sens direct, quand on parlait de apôtre, on parlait des 12 qui étaient avec Jésus, dans le sens direct. Mais indirectement, lorsque bon Dieu relève les gens pour faire travail apôtre de fait, donc indirectement, il relève les gens pour apôtre tout. Mais apôtre même c'est les 12 avec Paul. Vous comprenez? C'est mon saïo que quelques monde comme ça. Mais après ça, c'est 12 mon saïo qui étaient avec Paul. Donc
enseignement apôtre, nous te dit l'autre jour, c'est les qui fondation l'église. Et ça, il y a quelqu'un qui prend capable d'interpréter de l'autre façon. Enseignement apôtre, c'est fondation l'église. Qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est enseignement, c'est apôtre, Jésus pas quitté pour enseigner l'église là. Pour enseigner l'église là, qui bagaille à fond de moi enseigner l'église là? Si nous connaissons. Bonne nouvelle. La parole de Dieu, très bien. Nous parler. Qui bagaille à fond de moi enseigner l'église là? Pour enseigner tout le monde. Bonne nouvelle là. Bonne nouvelle là. Et quelqu'un qui veut parler toujours? L'évangile de Jésus-Christ. Nous avons plus explicite toujours. Le royaume. Le royaume, très bien, très bien, très bien, très bien. Qui ça y a gain pour qui ça a pour attraper pour vous enseigner? Qui ça y a trouvé? La parole. La parole. Ça, c'est pas dit. Ça m'a pas dit, on va y comprendre trop vite. Tout ça, Jésus démontre. Yeah, exactement. Pardon, bravo, mademoiselle ça. Pardon, bravo, mademoiselle ça. Qui ça y a pour enseigner? C'est ça, Jésus démontre. Démontre. Donc la base de l'église, c'est ça Jésus t'a montré. Mais qui est-ce qu'a pas Élie? Ce sont les apôtres. Donc quand l'église là et quand il dit comme ça que apôtre c'est fondation l'église là, ça pas veut dire apôtre qui a plus valeur parce que Jésus parce que ça apôtre campé sous lui, il faut que c'est sous Jésus au grand. Bon Dieu bénis, bon Dieu bénis. Quelle religion, quel groupe qui comprend que s'il si parle des apôtres comme si apôtre là, puis grand, si c'est pas ou pas dit apôtre, plutôt dit apôtre ou pas dit Jésus. Il y a une erreur, en pile erreur. Donc, apôtre là, pas qu'à enseigner un rien que le pas trouver dans le même Jésus. Bon Dieu béni. Donc, on va connaître verset 9, verset 9, hein? Qui ça le dit? Verset l'église ici là. Dans Corinthiens, pas comment tu dis? Écoute, verset 11. Verset 11. Il dit que personne, personne ne peut poser notre fondement. Ne peut poser un autre fondement que celui qui l'a posé, que celui qui l'a été posé, qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus est le fondement. Et c'est ça que l'Église a appelé Jésus le fondement. Ça veut dire que Jésus c'est le fondement, il n'est pas à podio pour enseigner, salva et roi, c'est ça pour enseigner. C'est un coup, ma contre va bien dire. C'est un coup, mon monde qui a passé, il est venu, l'a enseigné. Moniteur sous et déconcentré. Et puis, mon capable de consacrer. Moi, si enseignement, parce que Eli, c'est lui qui enseigne. C'est enseignement, parce que Eli qui enseigne l'exam. Mais par contre, qui compte parce que Eli, tout enseignement là-bas, là. Bon Dieu, parce que enseignement, parce que Eli, là-bas, là, qui compte, il sortit dans le pasteur Isaac. Parce que c'est pasteur Eli qui vous dit, pasteur Eli, mais qui ça pour enseigner mon Dieu. Donc, où est pasteur Eli devant? Ou capable de penser son autre bagage indépendant la pensée, mais pasteur Eli a travaillé en bas hospice, pasteur Isaac. C'est ça, nous disons, ça c'est pour aider nous comprendre. Et ça fait apôtre avec Jésus. Apôtre n'est pas plus grand que Jésus. Apôtre, vous comprenez, Jésus c'est la pierre angulaire. Jésus est le roi des rois. Jésus est le fondement. Nous songeons dans Matthieu et chapitre 16, et dit comme ça que je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à Jésus. Tout le monde qui croit que l'église là, c'est pour l'église, pour ça d'ailleurs. Oui. Tout le monde qui croit que l'église a fait boutique, ou après vous pouvez payer ça quand même. Et l'église n'est pas qu'un boutique, non. L'église c'est la caille Jésus que l'est. Donc Jésus est le fondement de son église. Donc les apôtres, yo même c'est eux qui propagateur là, c'est eux qui pour capable et fait qu'on message là que vous trouvez dans Jésus. Matin pendant d'avoir les sur montagne. Et sous avec l'église là même pendant la route nous dit que l'église là nous était considéré comme si un boulanger. Mais boulanger a mais la boulanger a mis sur pisselle. Même pays qui la vendre, même pays qui a venir sur pisselle c'est dans boulanger. Dans boulanger il sort. Et toutes les toutes temple t'as doué qui est même l'évangile là. Pour qui raison chaque temps va penser de façon si c'est l'évangile Christ. Si c'est l'évangile Christ là. Pour qui raison ça? Donc nous prenons l'église là pour ces boulangers là, côté où fait pain. Celui ça là c'est chaque temps. C'est même barre la produit dans le boulanger là, c'est le capon. Pour
qui raison est différent dans chaque église des fois. Je toujours dit ça. Et pendant ma parole, je dans la montagne, il dit ça. Il a aimé connaître pour qui raison. Parce que la différence, parce que chaque monde choisit ça, vous voulez faire. Chaque monde, il y a des fois, on sait selon l'intérêt. Chaque monde essaye selon l'intérêt. Chaque monde fait ça selon qu'il est intérêt. Pour. Donc, si c'est selon l'intérêt, mettre là, nous tout à parler, et nous t'avons semblé, nous t'avons semblé. Nous t'avons semblé. Mais le fait que nous ne pas le même intérêt, il ne peut pas sembler. Il ne peut pas sembler. Donc, on a compris ça. Il ne peut pas sembler. Il va sembler. Or, l'Église catholique a un avantage sur nous dans un sens. Il y a toute l'Église catholique qui gagne dans le monde là. Dans un dimanche, son seul bagage là, il va aller. Oui. Yo tout yo parlé. Alors ça yo faire. Il capable pas inspirer. Parce que ça choisit son pape qui choisit. C'est ça il voulait pour yo bail. Il gagne dans ce bagage Chanel, les gens il voulait et puis ça mettre toute l'église là c'est lui à bail. Il gagne pas inspirer. C'est l'esprit qui doit pas qu'à travailler dans l'église comme ça. Mais au moins on montre que une religion qui unit. Religion yo a l'image dans cette direction. Mais nous-mêmes les protestants, c'est nous-mêmes qui gagner. Chaque monde veut faire ça, il veut faire. Mais nous ne pas suivre quand on va mettre là. Chaque monde veut aller, gens veulent. Ça veut dire que le travail a gagné. Ça veut dire que nous tous avons perdu force. Nous ne pouvons pas être solides. Nous ne pouvons pas solides. Mais laissez mettre la cap baille direction. Nous tous nous marchons pas direction, nous ne sommes pas dans la rébellion, et bien nous privés. Nous privés quand même. Donc, il est important, nous parlons de l'apôtre Paul, qui est un grand apôtre, apôtre des païens, qui, bon Dieu, choisi sur la route de Damas, pendant qu'il n'a pas le persécuté. Il n'a pas le persécuté, eh bien, il n'a pas le persécuté l'église, parce que les juifs ont voué lui, sorti à Jérusalem, pour aller depuis ce côté-là. Et il a prêché l'évangile Christ là, hein? Eh bien, pour l'aller, pour être capable de maltraiter le monde, tuer le monde, faire tout le calme. Eh bien, Jésus, en lumière, frappé sur route là et aveuglé. Fermé un genou pour qu'il aille de côté. Et c'est là Jésus prend. Et Jésus prend, transformé, voyez, priez pour lui, priez, il est clair, priez, recevoir le Saint-Esprit. Et puis, mais apôtre Paul qui vient. Puis grand écrivain du Nouveau Testament, mais apôtre Paul qui est venu existant pour tout le monde, et pour tout païen, c'est lui qui fait nous comprendre ça que l'évangile. Donc, c'est pas si casse-causé. Donc, c'est bon Dieu même qui sélectionne pour position ça. On regarde Galates 1, verset 1. Yeah. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il n'est pas apôtre par un homme métallique, mais l'apôtre, mon qui fait l'apôtre là, c'est Jésus-Christ. Mon qui envoie la lire Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu connais moi avec vous. Nous avons besoin de prendre l'évangile, nous avons besoin de l'évangile pour nous faire le salut. Et je mettais mes sous-nom ça pour que les capables aient des outils pour l'éternel. Alors, son faveur spéciale, lorsqu'on a des outils pour l'éternel, si on dispose de des outils pour l'éternel, il a servi, oui, comme des outils pour lui. Il a servi comme boucher. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Et alors, bon, ben, qui là, c'est que, ou bien toi, tu es dans l'église à tout temps, mon pas disponible, non, pour qu'il y ait un outil pour l'éternel. Regardez tout le monde qui est avec Jésus, il était là tout le temps avec Jésus. Mais les outils, à qui est trop de l'éternel pour répondre, ils ont l'ennemi pour répondre, ils changent, ils font vite de mes outils. Est-ce que moi, avec vous, nous sommes disponibles
pour nous cailler un outil pour l'Éternel. Et là, nous avons gardé la vie de Paul, quand Paul tétit la vie, et toute sainte connaît, toute sainte guerre, tout Dieu va représenter un rien. Peut-être l'évangile là. L'évangile est persécuté. Et bien nous-mêmes que Jésus a béré nous depuis bien longtemps. Nous avons attendu l'évangile depuis combien de temps? Et puis nous pas chambre disposée pour nous capables de outils pour l'Éternel. Nous allons m'intéresser aux affaires de Dieu. C'est tu restes là pas bon Dieu. Tu restes. Nous allons m'intéresser. Parce que si nous avons une étude, c'est pour tête. Nous avons une étude. C'est pas pour Jésus, c'est nous pas prendre pour tête nous. Pour nous grandir, pour nous capables d'avancer. Mais même ça, même il n'est pas trop intéressé. Comme si nous l'allons tout en dedans, mais nous ne pouvons pas décider pour nous capables. Nous avons un outil pour l'Éternel. Nous avons décidé pour nous avoir un outil pour l'Éternel. Il y a une femme en Afrique qui décidait, il y a l'église de tout le temps c'est problème l'argent, problème l'argent, problème l'argent. Les mêmes les pas de gain, il est très très pauvre. Là, il est dans la rue, il m'a dit, il semblait j'ai une valeur $100. Et puis il dit, moi j'ai un outil pour l'Éternel. À quel argent? L'aller avec $100 dans la rue, l'acheter bagaille, la copie dans la rue, vendre. Dans la salle vendue, il dit 90% c'est pour Jésus, 10% pour moi. 90% pour Jésus, 10% pour lui. Avec ça, Fia bâti l'église locale côté qu'on y a lié de bâti n'importe côté au besoin de votre église sur un plus grand femme qui gagne, un plus grand dame qui gagne, il charge avec magasin, il charge tout partout parce que 90% de tout bénéfice il fait commerce pour l'Éternel. Et il dit moi-même Seigneur bon 10% seulement. Il va dire bah Seigneur 10% non, il va Seigneur 90%. Les mêmes droits ils font commerce pour l'Éternel. Et bien c'est lui qui bâtit l'église locale, lui qui était à tête pas capable, côté yo, semble l'argent, bâti grand l'église, en pile monde, lui gagne magasin tout partout, lui vient riche. Le fait que lui était enrichi, bon Dieu, qui ça bon Dieu fait bon Dieu enrichi? Et il y a un monde qui va comprendre. Qui ça ça veut dire? Pour capable, il y a un outil pour l'Éternel. Il y a un outil. Dame ça, il y a un outil. Parce qu'ils permettent, ils achètent l'autre terrain, ils achètent le terrain, ils bâtissent les gens capables de venir chiter là-dedans pour entendre la parole de Dieu, les gens normales, les gens qui sont nourris. Quand ils courent, les gens savent gagner. Avec $100, non seulement ils bâtissent l'église, l'autre église est sous l'église, mais lui-même tout, pendant la béni l'Éternel, l'Éternel a béni tout. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Quand vous comprenez que jouer au bail et un petit cop dans le travail, bon Dieu, ça fait au plus pauvre. Ou bien vous choisissez 50 gouttes qui sont mal là et au bail. Ou bien vous n'avez pas jamais intéressé à ça même. Toute semaine, il y a bail, mais vous n'avez pas jamais intéressé. Jouer, investir dans bon Dieu, investir dans vous. Au contraire, j'ai besoin de prendre un temps pour être capable de prier avec les gens qui ont une activité dans l'église. Mon n'importe qui activité, des commerçants. J'ai besoin de prendre un jour samedi après-midi. Pour nous capables de prier avec eux et enseigner eux. Prier pour bon Dieu pour la protection, pour bon Dieu capable d'aider, bon Dieu nous viger et bon Dieu capable d'aider, pour capable comprendre comment pour faire bon Dieu partenaire. Et l'on fait bon Dieu partenaire, c'est parti casse causé. Et un jour, le peut-être l'homme pas connaître célèbre film grand monde, c'est l'homme retraité. Ma témoigne, je dis nous, le monde fait bon Dieu, partenaire business, ce qui ça s'avère dit. Vous comprenez? Quand il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, et beaucoup capable, mais je fais bon Dieu confiance,
et on joue pas tout ça, ça veut dire. Bon Dieu béni. Alors, on a continué avec avec les vos mains. Hein? Quoi, qui verse, nous te quittons les versets de lire l'autre jour. Ok. Ok, il dit quoi ça dans verset 3? Non, verset 4. Déclaré, alors il concerne verset 3, il concerne son fils né de la postérité de David. Postérité de David, de descendance de David. Ah, avait dit, il a parlé de prophète, de Sainte Écriture, il était parlé de Jésus-Christ qui va vous venir. La loi et les prophètes parlent de Jésus et qui t'a venu, qui t'a pas fait dans la descendance de David selon la chair. La Bible te parle de tout ça. Il a montré que, pour la montrer que ça m'a enseigné, ce n'est pas bagaille et ville m'a enseigné, mais c'est bagaille que la Bible, la loi et les prophètes déjà parlé sous eux déjà. En te déclaré que le Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, et alors, deux bagailles. Il t'a montré que la Bible, la loi et les prophètes ont déclaré Jésus avait venu selon la chair, petit David. Il a sorti dans le lien de David. Mais Jésus, en réalité, la porte que c'est petit papa bon Dieu est lié, déclaré fils de Dieu avec puissance. Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque fois, nous, la Bible parle de fils Jésus-Christ. Fils de Dieu, nous mettons que le parler de fils de Dieu, c'est une connotation que Jésus-Christ est Dieu. Fils, petit, yon moun, c'est moun nan qui doublé. Petit, yon moun, il sorti dans l'essence moun nan. Il sorti dans mon nom c'est sous cela et puis petit la sortie dans lui-même petit moi au monde égal à mon nom égal à mon nom. Chaque fois la Bible parle de Jésus fils de Dieu, ça a montré que Jésus c'est Dieu. Ou pas ouais gagner sacré les ADN les papa gagne un petit et ben il a fait ADN et ben il trouvé que petit ça c'est sans c'est la dans sorte et c'est ça que fait monsieur là on fait un petit monde même avant on fait un petit monde on a besoin de penser et petit monde c'est rouillé même si grand gens il vient à penser indirectement mais c'est rouillé non rouille sorti donc on parle de faire un petit monde après ça pour la gueule ou pas occuper ou pas prendre soin pas faire ça même si on fait petit monde comme un fou. Ou pas même le monter ou devant tout le monde comme un fou, c'est pour dégager, boucher jeu, aller chercher tout le monde ça pour qu'on occupe le. Monsieur, on va y voir ça vite. Donc, l'ennemi Jésus-Christ petit bon Dieu, ça veut dire Jésus-Christ c'est bon Dieu. Ça, papa hier, c'est sa petite là, en essence. Elle fait une analyse. Sanguin, sa papa hier, c'est sa petite la douille. Donc chaque fois qu'elle râle de Jésus-Christ, petit bon Dieu, ça veut dire Jésus-Christ c'est Dieu. Elles sont preuves que Jésus-Christ c'est Dieu. Et si Jésus-Christ c'est Dieu, eh bien, lui-même qui montrait puissance et autorité par la résurrection, le Saint-Esprit de Dieu, non seulement dans l'essence physique, Jésus. Inclus dans l'essence de Jésus, mais dans la résurrection de Jésus, et c'est ça qui t'aime nous pour la résurrection. Alors, pour connaître, si vous avez, monsieur, là déjà, vous pouvez mettre, quoi faire Jules, le défi, on va dans la résurrection, l'Esprit de Dieu,
à secouer, à bailler la vie à petite là. Parce que puisque Dieu est vivant, eh bien, le Fils de Dieu pas qu'à être mort. Bon Dieu bénou, bon Dieu bénou. Puisque Dieu vivant, petite là même les vies, vivant. Parce que petite là apprend côté papa. Vous êtes comme ça, petite habitant? Oui, pas nous faire râler sur ça, tout le Jésus même qui déclare oui. Mais en vous, il vient tout gros causer ça. Quand Jésus fait déclaration, mais Jésus, le Fils de Dieu, ça veut dire automatiquement Jésus est Dieu. Automatiquement. Automatiquement. Jésus est Dieu. Et côté qu'après une transcendance qui va être faite dans nous-mêmes mis devant, côté que Jésus pour montrer nous que nous avec lui-même Jésus nous soyons seuls et nos femmes nous soyons avec Jésus nous soyons seuls et bien, nous soyons seuls avec papa à tout et bien, c'est ça qui va être nous toute puissance, toute autorité, toute capacité que nous besoin pour que nous puissions fonctionner. Et si nous ne comprenons pas ça, nous pas entreprendre une démarche ça, ça c'est nous ça. Mais cependant, là il est disponible pour nous-mêmes. Et ça fait bon Dieu pour moi, tout pouvoir, toute autorité sous salaire, quoi que ce soit salaire, eh bien, moi, capable de pouvoir avoir autorité sur lui, parce que je suis le Fils du Dieu vivant. Parce que Jésus n'a moins, moi, dans j'ai. Si Jésus n'a moins, bon Dieu n'a moins. Si bon Dieu n'a moins, moi, dans bon Dieu, eh bien, nous faisons seul. Bon Dieu bénou, bon Dieu bénou. Donc, l'autorité et la puissance pour avancer dans la vie, chrétien ou gain là, les disposez pour vous-même. Alors, là pour verset 4, acte 9, verset 15. Vous allez avancer. Mais ça, c'est né à Dieu. Allez, parce que non, ça, moi, je choisis beaucoup de service. Alors, tu parles de non, ça, allez, c'est à Jésus. Cap dit avec Ananias, allez, parce que nom ça, moi choisis pour faire ça, service moi. Qui est-ce qui a parlé là, c'est Yergé. Qui nom dit choisir pour service là? À votre Paul. Il choisit Paul pour faire service là. Et si bon te choisir, eh bien, nous-mêmes nous besoin d'accord. Ok. Avancez puis devant. Ok, parfait. Prophète, tu parles clairement dans la vision que tout ça, les prophétiques, tout ça, tu as parlé, tu as prophétisé sur Jésus qui t'a gardé pour venir. Descendance de David nous dit ça, en 2 Samuel 7, verset 12, que, et c'est ça pour la montrer que deux sources que Jésus gagne. Yon c'est David au point de vue physique, la chair, et l'autre au point de vue spirituel, eh bien, le Saint-Esprit. Fils de Dieu, nous devons identifier que Jésus en tant que le même que Dieu. Résurrection de la mort, la parole de la résurrection de la mort. Et donc de sa résurrection d'entre les morts. Résurrection, comme année ça pour nous soit année de résurrection. Eh bien, résurrection Jésus sous la mort. Hein? Eh bien, c'est une démonstration suprême et qui est très évident, qui est conclusif, que Jésus est le Fils du Dieu. Alors, Pierre a fait cette déclaration quand Jésus a posé la question qui est-ce tout témoigné? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre fait déclaration ça. Et il fait déclaration ça. Mais la résurrection de Jésus, après prouver que Jésus est vraiment le Fils du Dieu vivant. Parce que la résurrection de Jésus, après le mettre, pour le séparer Jésus avec tout, pour faire Jésus un exceptionnel qui n'a pas comparable avec aucun autre monde. Aucun autre monde. Ce n'est pas quel monde qui réussit comme ça déjà.
c'est une chose qui montre clairement que Jésus est petit bon Dieu. Acte 13, verset 39 à 33, on a l'air. Accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Qui est-ce qui ressuscite lui? Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Est-ce que Dieu t'a quitté petit lit dans la mort? Non. Puisqu'il est Dieu, et bien l'esprit du Dieu vivant rentré et ressuscité lui. Saute dans le monde. Malgré vous parler avec le de ça, mais c'est l'esprit ça, année ça, qu'on pourra côtoyer, qu'on pourra chercher en contact avec, qui a rentré côtoyer dans la profondeur côtoyer, dans la situation côtoyer, dans le problème côtoyer, côté au colère, côté au mari ou là, côté au cloué ou là, côté à bouche à mon Dieu, il n'y a pas rien. Côté au mari, à l'eau en bas, de l'eau en bas, ou roche dans n'importe quoi hier. Côté l'homme avec meilleur, avec boucher, il est condamné à perpétuité. Côté au cadenas, sur un bas cadenas, ça capable, faut sortir. Amen. C'est l'esprit, ça, l'esprit du Dieu vivant, ça, qui est rentré dans l'endroit, qui est levé Jésus. Malgré les oppositions, malgré l'ennemi, malgré païens, chef qui t'a veillé, malgré tout ça que tu as gagné, mais il n'y a pas qu'à empêcher la puissance de Dieu, l'esprit du Dieu vivant, tu es rentré en dedans cave-là pour être capable de ressusciter Jésus. Il n'y a pas qu'à empêcher ça. Et c'est ça qui fait que moi avec vous, et nous connaissons que c'est ça qui est capable de nous espoir, à soi, nous devons comprendre ça, que moi avec vous, pas grand rien qui peut empêcher nous ressusciter. Pas grand rien qui peut empêcher nous restaurer. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce même esprit qui a descendu dans la tombe, qui a pris Jésus, qui a ressuscité Jésus, ce même esprit est disponible pour chaque chrétien, chaque monde qui croit. Qui croit, qui voulait croire, allez ça, bon Dieu, qu'a fait bagarre avec vous. Amen, esprit ça, qu'a descend, et elle descend pour sauter avec vous. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une force, vous avez une capacité, ça, mon abdi, vous avez autour de vous, ça, vous dit de vous, ça, vous dit de vous, pas rien. C'est ça, bon Dieu, dit de vous, c'est lui qui compte. Amen. D'accord, ça, vous dit de vous. Au début, vous avez parlé de mal. Même Jésus, vous parlez de mal. Je te parle mal, mais est-ce que parler mal, Jésus a fait empêcher de sortir dans ton corps? Bon Dieu, bénis-nous. Eh, hey, maison de prière, année ça, 2020, année ça, qu'on est que nous pouvons fixer genoux en côté. Et quand on fixe genoux, où mon Dieu passe même, pour longer même, pour capable monter avec nous. On saute en matière à côté de prière. Eh, de vous voulez, nous pouvons appliquer la foi. Voilà, c'est le principe de la foi. Et bon Dieu va le prendre, il va monter ensemble avec vous. Et cette période-là, pas aucune force, il a mis le retiré dans le Jésus. Et aucune force. Et force des forces-là, c'est lui-même qui a passé. Et là où elle s'est tombée. La paix de Dieu avec vous. Ouh! La résurrection. Résurrection de Jésus, il sépare Jésus clairement du reste du monde. Et il va une preuve clairement que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Fils de Dieu, ça a répété environ 30 fois dans l'évangile. Et ça, et identifie Jésus comme même essence avec Dieu. Victoire sur la mort, c'était une démonstration suprême, dis-nous. Et puis conclusive, preuve que Jésus, c'est petit bon Dieu. Dans le verset 5, là, il dit, par lui, nous avons reçu grâce. Ce mot grâce, c'est un terme théologique, c'est un terme que chrétien doit comprendre. Mot grâce, là. Le terme de grâce, grâce voulait dire une faveur que on ne pas mériter. Bon Dieu, béni. Donc, moi, je volé lunettes là, pénalité pour lunettes là, eh bien, tu dois aller en prison.
Et puis, mon qui t'a demandé dans la prison, malgré que vous avez lunettes là, après ça, il dit il faut grâce. Nous comprenons le terme grâce là. Le grâce, c'est au monde, ce n'est pas parce qu'il n'est pas coupable, mais son faveur ou fait. Est-ce que nous comprenons? Son faveur ou fait. Donc, les parler par la grâce. L'autre dit comme ça, que la grâce, vous comprenez? L'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré le péché, malgré le fait ça qui mal, mais que je la faveur de Dieu. Que je la faveur de Dieu. Et en vérité, c'est cette grâce qui nous conduit jusqu'ici. C'est grâce à. Grâce à. Donc, grâce en faveur que nous pas mérité de Dieu. C'est faveur imméritée que Dieu montrait en faveur des pécheurs coupables. En faveur des coupables. Son faveur qui est utilisée en faveur coupable grâce là. Et ça, c'est première référence dans le livre là. Et on va dire qui est très très crucial au message de l'évangile là. Moussa. Dans Romains, c'est un mot qui est très très crucial dans le livre là. La grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, ça veut dire que le salut pour aller dans le ciel, c'est pas par action personnelle ou quand on va dans le ciel. Mais c'est par grâce. Ça veut dire que c'est pas une faveur. Et si on croit que c'est bon, bah, il a pas fait quand même dans le ciel, on s'est trompé ou pas là-dedans. Ça, là, on a grâce, un gros mot dans l'évangile, ça y est. Là, on dit grâce, mon Dieu, avec, on dit merci. Grâce, mon Dieu, avec, alléluia. Parce que pas mérité, on voit grâce sur moi. Ou prie grâce pour moi. Et on a besoin de grâce là. Bon Dieu, bénis-nous. On a besoin de grâce là. Parce que nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Mon qui pisse Saint, il est coupable en pile. Coupable en pile. Donc, le mot est mot grâce, n'a pas étudié le livre ça. Mot grâce, c'est un premier mot que nous devons mettre en pile accent sur lui. Qui ça veut dire? On va passer dans Romain ou pas qu'on est mot grâce. Grâce, son faveur. Son faveur imméritée que bon Dieu fait à pécheur, à monde qui a fait monde qui coupable. Et ça, c'est dans le chapitre, ça, c'est première référence. Et c'est une référence très cruciale à message de l'évangile. Le message de l'évangile, là, il y a une grâce. Il y a des gens qui connaissent le cas. Par exemple, les témoins de Jéhovah, chaque jour dans la rue, parce que je crois que à force que vous faites évangélisation, ça est capable de mener vous dans le ciel. Vous mettez évangéliser tout le pays, ça pas assez, ça pas pas salut. C'est pas ça vous faites cap mener dans le ciel. C'est ça bon Dieu fait, c'est le cap mener dans le ciel. C'est grâce qu'il fait. Ou après évangéliser parce que qu'on a vu dans la famille de Christ. Parce que vous mentez qu'on y est. Parce que Dieu vous a choisi. Eh bien, vous même, vous parlez évangéliser, vous parlez, vous parlez faire parce que vous êtes chrétien. Parce que vous comptez bon Dieu. Parce que vous parlez pour l'autre péri. Même si vous avez grâce pour l'autre péri, c'est comme ça vous même tout. Eh bien, faut vous capable de disposer, vous capable de sauver l'autre. Parce que bon Dieu, relo pour aller de l'autre sauver. Mais c'est pas parce que vous allez évangéliser pour sauver. Si vous sauvez, vous n'avez pas besoin d'évangéliser, vous pouvez sauver. Bon Dieu, béni. La grâce. Vous comprenez ça? Oui. Ok. La grâce. Faut que nous capables. Donc, le salut est un don de Dieu totalement indépendant de tout accomplissement humain. Salut, les pour nous sauver, ça c'est un cadeau qui saute dans bon Dieu.
ça pas gain tout wè avec aucun bagaille que ou a fait, quel travail que ou fait. Ah petit, bon travail pour me sauver. Bon m'a visiter maladie pour me sauver. Bon pa corvio pour me sauver. Bon ba bobine. Qui quantité pour ta capable pauvre pour ta sauver. Qui quantité visite pour ta faire l'hôpital. Qui quantité alors tout nécessaire pour faire oui. On va faire parce que c'est chrétien. Parce que mon Dieu bon l'autre cœur. Parce que mon Dieu changer au. Puisque mon Dieu relo pour faire obéissant à parole là. Mais c'est pas parce que ça c'est ça qui va le sauver ou. Bon Dieu bénis, est-ce que nous comprenons? Nous comprenons le salut très bien. Et nous comprenons que vous achetez le salut. Si quelqu'un qui a acheté le salut, ce n'est pas un homme qui est là. Madame Chambre qui a payé le salut. T'as tellement cher, je ne sais pas c'est mon qui voit ou seulement qui a peut-être qui a acheté. Et qui est peut-être qui a capable de gagner des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. C'est ton bagage pour vanité. Heureusement, bon Dieu dans sa sagesse. Il va acheter fini personne monde. Il va Jésus à faire non des crèches du côté pour que n'importe qui monde qui est d'accord pour recevoir grâce là, et non pas aucun la vie éternelle. Amen. Mais c'était acheté pour t'acheter. Nous pas là, c'est pas la vie nous. La vie moi qui te garde dans salut. Est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Très bien, très bien, très bien. Bon Dieu béni, oui. Bon Dieu béni. Donc, vous avez un mot clé, nous commençons à garder là, c'est grâce. Et l'autre mot clé, c'est salut. Salut. Salut ou jeune. Alors, d'abord, il va plus devant. Salut, il y a pile d'explication là-dedans. Il y a un monde qui connaît salut, il veut dire seulement dans le ciel. Non. Salut, pas seulement dans le ciel. Et c'est ça qui fait que, faut nous dire où mais parce que vous mettez la bonne compréhension de termes en pile. Donc, le salut, comme nous disons, est un don de Dieu totalement indépendant de tout accomplissement humain. On regarde Romains 3, 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés pour sa grâce, pour le moyen. Ils sont comment ils sont justifiés? Gratuitement. Est-ce que nous comprenons pour gratuitement? Oui. Gratuitement. Nous comptons les lèvres de bagaille gratis. Oui. Ça veut dire pas gagner ou à payer pour les. Oui. Ils sont gratuitement justifiés. Justifié, c'est sauvé. Comment par qui ça par ça? C'est grâce que nous faisons, nous avons sauvé. Nous sauver par le moyen de la foi. Amen. Amen. Pardon, bravo pour Jésus. Et ça fait, en reconnaissance, il est bon pour que moi, avec, pour nous capables de persévérer, pour nous fidèles, pour nous capables de répondre à ça, Jésus dit nous fait, à cause de ça, il fait pour nous. Tout ça, m'a fait, à cause du salut que Jésus, pour moi, eh bien, m'a fait toute l'autre bagaille. M'a fait pour me sauver, non? Parce que moi déjà sauvé. Moi déjà sauvé. Mais puisque nous sommes sauvés, m'a pas comporter n'importe qui. M'a pas n'importe qui. Conversion fait que moi pas n'importe qui. Conversion fait que m'a pas garder frère n'importe qui. Conversion fait pas vendre plein moi mon dans gang là, après ça comme si me garder n'importe qui, pas capable parce que moi sommes sauvés, on ne sauve pas agir comme ça. Bon Dieu bénis, bon Dieu bénis. Est-ce que nous là aller plus loin, vous êtes capable de dire. C'est comme si on m'a dit qu'il y a un caillou dans mon monde. Et il y a un caillou là, mais il n'y a pas l'argent pour payer. Il y a un cadeau. Un an. Il faut cadeau un an. Mais mon avis, il n'y a pas l'argent pour cadeau un an. Il n'y a pas un an, il n'y a pas de marché. Oui. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de la vaisselle. Oui. Il n'y a pas obligé de faire un service. Il n'y a pas de cadeau un an gratis dans le caillou. Depuis que tu as besoin de service, tu as besoin de bouche. Ou sans vie, tu as besoin, il faut courir. Ou pas sans ou, tu vas voir. Ou pas ingrat. Hein? Ou pas ingrat. Ça veut dire que moi, au moins, que je me service, je vais voltiger. Mais c'est comme ça, nous, il y a le bon Dieu. Moi, je dis comme ça que le travail, bon, j'ai besoin de l'argent. Hein? Mon Dieu, ça doit être utile pour moi. Hein? Mon Dieu, ça doit être utile pour moi. Même genre. Très bien, belle illustration. Mais vous voltigez à cause de ça
il fait pour vous. Donc, n'importe tout ça n'a fait, nous faisons à cause de ça, mon Dieu fait pour nous. Et parce que pour nous sauver, nous, parce que jour de l'éveil, on dit oui, m'accepter Jésus comme sauveur personnel, m'accepter grâce là. Le savoir accepter ça, lui a rentré la caille. Bon Dieu bénis, bon Dieu bénis. On n'a pas besoin de douter, de dire, vous pouvez me sauver. Vous connaissez que vous sauvez? Sauvé. Est-ce pas vrai? Amen. Combien de monde qui sauvez là? Si vous sauvez, levez-moi. Amen. Merci. Et vous connaissez que vous sauvez? Sauver. Et tout ça, on va le faire parce que nous sommes sauvés. On va regarder mon sac comme ça. Et nous sommes sauvés, on va traiter les femmes comme ça. Et nous sommes sauvés, on va traiter le travail comme ça. Et nous sommes sauvés à cause de sauver. Alors, pourquoi tu as prouvé qu'il dit, mon qui gagne foi, vraiment, la peau du action. La peau du action. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Donc, et grâce. Salut, c'est deux termes pour nous comprendre. Pour nous comprendre. Oh, alléluia. Il dit comme ça que par la grâce, par lui, nous avons reçu la grâce. Alors, ça, par Jésus, nous recevons grâce. Un. Et deuxièmement, il dit apostolat. Et pour ça, Paul a dit recevoir grâce et recevoir apostolat. Apostolat, même quand terme ça a référé à 12, mon nom de Dieu là, 12 apôtres, dans une façon unique, eh bien, mais dans ce sens-là, je dis nous, eh bien, il y a un monde capable de recevoir un appel. Et n'importe qui que bon Dieu veut révéler, le voyer, eh bien, comme messager du salut, eh bien, il est capable de recevoir apostolat. Donc, et c'est ça, l'aile dit apostolat, ça veut dire que c'est le travail que bon Dieu va lire, bon Dieu révéler, il recevra grâce et il recevra apostolat. Grâce au sauvé, mais l'offre est sauvé qui appelle. Est-ce que vous recevrez un appel? Est-ce que bon Dieu est là pour faire un bagaille? Est-ce que bon Dieu est là pour faire un bagaille? Bien, est-ce qu'on finit sur la grâce là? Alors, ça fait toute vie au chita sous grâce là. Est-ce qu'on va dire qu'on est qui ça, bon Dieu, veut faire encore? Il finit là. Après, il dit Junior! Est-ce que nous carrément dans le silence net? Après, il dit Junior, tout est dans le silence net? Non, mais si vous êtes là, c'est que go. Go bagaille. Les bon Dieu finir l'eau, il y a l'autre bagaille, il y a l'autre côté la mène. Il va aller là pour là, comme ça, comme si on va voir rien. Bon Dieu, bénou. Il y a un bagaille la pour l'eau fait. Peut-être qu'il y a un relais junior. On veut vous parler l'église, maison de prière tout le temps. Et si c'est là, bon Dieu, mettez-vous. C'est là où on bénit. N'importe l'autre côté où aller. Si vous-même vous voulez, moi, c'est pas ça. Moi, c'est Jack qui a besoin. Si c'est Jack qui a besoin, et bon, maintenant, vous avez Jack. Absolument, il tombe sous tête. Parce que bon Dieu, il est là, il est où mêlé qu'ils arrivent au balai. Get. Pendant ma venue là, même moi, je vais parler. Il y a une ligne de travail que je vais pour moi. Il y a des gens qui vont mettre sous le cœur pour foncer le travail. Et puis, après, les gens qui vont au travail là, après ça, ils viennent en route, ils quittent. Et puis, ils quittent, après ça, la vie, ils vont passer mal, très mal. Fini mal. Pour qu'ils savent quoi que, pas moi-même, moi, je vais les gens qui font des bagailles. Mais ils vivent peut-être. Les larguer ou bien c'est pas ça, je l'ai fait. Et puis là, au fin, on garde son ouais, on a mouru, ou bien on a fini aux gens très très mal, qui très très drôle. Les bon Dieu, relo, dans un travail, retenez un travail, acceptez, faites ça, relo, faire. Et c'est lui qui connaît. S'il besoin de changer au poste, là, changez au poste. Retenez, faites-le. Bon Dieu, bénis-nous. Donc, l'apostolat, nous parlons de ça, de l'appel que bon Dieu m'a eu.
Si bon Dieu relo, mandé tête qui sort. Ah, chaque monde qui là. Chaque monde qui là mandé tête qui sort utile la caille mon Dieu. M'a regardé personne. Peut-être d'abord ou même pour faire un jour pour mandé tête qui ça moins utile la caille mon Dieu. Qui ça vaut la caille mon Dieu. On va pas besoin de ça forcément. Mais chaque monde, on est tête pauvre. Qui ça me vaut la caille bonche? Mais si moi, dans la caille là, nous sommes membres de la famille, il faut me voir un quichot. Il faut me voir un quichot. Où est-ce que nous avons nettoyé l'église là? En plus, nous avons connu la valeur pour ça. Mais si ce n'est pas eux-mêmes, à quelle poussière, à quelle bagaille, nous n'avons pas rentré chez nous. Ce n'est pas au même service là, impossible. Ce n'est pas au même sous senti qu'on manifestation jour dimanche qu'a fait. Ou senti le service pas souqué, en vérité, le service pas qu'a demeuré dans nous-mêmes, agir dans nous-mêmes. Ce n'est pas mon ça. Il prend travail là à cœur. Et puis il a fait, chaque fois que je passe, je garde, je dis merci Seigneur. Et son source de bénédiction. Il y a un gars qui a gardé, qui a connu que pour mon notre travail dans l'église, il faut se prêcher, il te prêcher. Eh bien, moun sa, qui ça a fait? Ils ont aidé à prêcher, moi-même. Ils ont aidé pasteur Eli à enseigner. Ils ont aidé chaque sac à faire là. Ils ont aidé à faire. Et c'est eux qui facilitent pour faire. Ils ont venu ranger chez eux, suivre chez eux. Après, ça ne va pas être un chita sur eux. Chaque monde bon bagaille, bon Dieu, il est pour faire. Il y a des fois où pas voulu faire. Ce n'est pas ça que vous voulez faire. Attention. Papier trouvé pour pasteur, papier trouvé pour diacre, papier trouvé pour évangéliste. Gagne une dame. Bon Dieu te baille, te relève, le dit non l'église. Bon Dieu relève, dit ces trois lettres là pour nettoyer tout temps. Il a nos toilettes là, il a nos toilettes là, nettoyer toilettes là tout temps là. Et même si quelqu'un monde qui passe comme si qui fait exprès, il a sa toilette là pour bailler travail. Ou bien, il m'a dit, 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 dans l'église. Il m'a dit, Satan m'a dit, il m'a dit, il m'a dans l'église. M'a dit, bonjour, pour m'a dit, il m'a dit, il m'a fait 20 ans à nettoyer la toilette là. Après 20 ans, au m'a dit, bon Dieu déplacé, il un blanc, il dit, il vini, m'a servi moi, pour capable de récompenser le moment. Blanc, vini, vini. Lève, bon Dieu montre figure d'amnan, il va y non d'amnan, venez, venez, les dit pasteur, bon Dieu voyez pour me capable faire un monde parti. Pasteur bien content, et pasteur connaît peut-être, il y en a un pitaï ou bien il y en a un cadeau, là où il fait partie. Et pasteur dit oui, il y a un peu de monde là qui veut se partir, et il y a les cousines, les ceci, les ça, comme ça. On dit non, on ne sait pas, non. De faire, non? Blanc, fait, il vient avec le monde, alors ça a blanc dit comme ça. Est-ce que vous connaissez un sœur qui relève tel sœur? Il dit oui, mais mon blanc, sœur ça, je ne sais pas quoi c'est que vous venez chercher. Et il dit, blanc dit, relève pour moi. Les pour blanc. Les blancs, ils viennent avec lui. Blanc fait ça, ils viennent avec lui. Ils viennent avec lui. Ils viennent avec lui. Ils viennent avec lui. Ils prennent l'angé à l'ambassade, fait ma lettre. Allez avec Fia. Allez, bon Dieu, allez recommencer. Il t'a passé son pile temps dans cette nettoyer toilette là. Et qu'on a bon Dieu retiré. Bon Dieu, allez mettre bon Dieu, allez travailler avec toute résidence. Allez, bail, travail. Allez, bon Dieu, levez tête. Les bon Dieu mettent au côté, ils comptent pour qui ça. Même si mon tap parle, mon tap bagaille, c'est pas un cadeau ça que ça vous a fait. Et bon Dieu, mon travail, fait faire. Amen. Nous pas qu'à la pour pas utile rien. C'est pour contribuer à notre travail, bon Dieu, bénéficiant, c'est pour vous. Vous connaissez que tout le monde tape découragé, c'est Satan peut de la pour décourager, vous ne pouvez pas bénir. Mais souris de fidèle, le bon Dieu a béni. Quelqu'un qui va pas l'église, vous voulez tout le temps l'église. C'est l'église a arrêté, madame Astère, oui. C'est vous qui diacre, c'est vous qui diacre. Satan, oui. De quoi vous pas bénir, de quoi vous arrêtez Jean, oui. Parce qu'il veut le coco bé ou il veut le coup plus mal.
même si vous ne dites rien dans la bouche, ou pas franchi dans les autres dans la bouche, maintenant que vous avez dit, regardez-moi, Satan. Vous avez dit, même vous êtes dans la bouche. Vous avez dit, vous faites. Vous avez dit, l'église. Vous avez dit, assoyez mon compte à vous, dans le plan de vous venez à l'étude. Regardez, venez à l'étude, attendez. Pas négliger, pas occuper personne. Venez à l'étude pour grandir, pour connaître la parole de Dieu. Pour avoir connaissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans ces rangs multitudes dans l'église, mais il faut qu'il y ait une capacité. Bon Dieu béni. Amen. Ok, l'apôtre là pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Ouh! Obéissance à la foi. Obéissance pour mener mon nom à la foi. Et mes amis, foi qui réelle là, foi qui sauve, hein? Ça veut dire foi salvatrice là, il produit l'obéissance et soumission. Bon Dieu béni, oui. Pour mener le monde en son nom à l'obéissance. L'appel de Paul au nom de Jésus, c'est pour faire le monde obéir, obéissant. Vous savez, vous et qui dans l'église, ça, quel monde qui l'a, c'est pour ça, même, oui. On va pas acheter figue, parce que ça va acheter figue, l'idée. On va pas acheter figue, non. On va figue, on va pas acheter, non. Mais la parole de Dieu, même pour qui ça l'a, c'est pour capable mener le monde à l'obéissance. À l'obéissance. La foi réelle, la foi qui sauve, c'est depuis que la foi réelle, là, ou après un monde qui obéit, obéissant. Ou pas qu'à rebelle encore. Ou pas qu'à rebelle, parce que ou quitter, mettre rebelle là long, faut ou son monde qui est soumis, soumission. Et pour en son nom, mener à l'obéissance de la foi, à l'obéissance de la foi, tous les païens, mener pour venir obéir à la foi. La foi, à bail obéir, obéissance. Et si vous n'êtes pas obéissant, vous avez la foi, il va pas avoir la foi. Jouez la foi ou solide, ou obéissant à la parole de Dieu. Vous avez une église qui vous mettez dans l'église, vous avez conseillé le monde. Mon foi ou plus solide, c'est mon qui peut obéir, mon qui peut coopérer. Mais mon qui peut rebeller, mon qui peut avoir une foi qui est solide. Mon qui est là, mais il faut avoir une foi qui est solide. Bon Dieu béni, oui. C'est pour ça, le dit bon Dieu, il est. Aïe. Je vais regarder chapitre 16, là. Chapitre 16, verset 19. Je vais regarder, oui. Regardez, oui. Pourquoi c'est. Non, moi, si c'est ça. Ok, allez là. Ouais. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Paul dit, pour nous-mêmes, Romains, tout le monde connaît comment nous obéissons. Et moi, je me réjouis de l'obéissance. C'est comme si, c'est-à-dire, pour nous-mêmes, quelqu'un qui a besoin de prière, comme ce que moi, je connais que nous obéissons à la parole de Dieu. Si bon Dieu parle, c'est fini. Et moi, je réjouis de ça, je suis content de ça. Et ça, voilà, pour nous-mêmes, Romains, obéissance, nous, tout le monde connaît ça. Et nous obéissons, et moi, je réjouis de ça. Est-ce que Jésus a dit même bagaille pour nous assurer? Il a dit, mon besoin de prière, obéissance, nous, son bagaille que tout le monde connaît, tout le monde a. Ouais. Et moi, je suis content de ça. Moi, je suis content de ça. Verset 6, là. Il dit parmi lesquels vous avez été aussi, vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Chaque fois qu'il est appelé, ça référé à l'appel officiel des pécheurs élus.
gagne deux formes d'appel. Gagne un appel officiel que bon Dieu fait, appel général qui fait qu'il lance par tout le monde. Ou même bon Dieu capable de faire un appel officiel. Gagne nous là pour venir là, soit bon Dieu voyez par avoir endormi, soit vous voyez un bon monde qui vient, Jean monde ça vient par avoir là, et même vous pas foutu par répondre. Il y a un appel officiel, il voulait faire dans la vie. Mais quel autre monde, c'est appel général là, il attend, un appel général qui lance, il dit car Dieu a tant aimé le monde, et il a fait que quiconque croit en lui ne périt. Il y a un série de monde dans quiconque croit, oui. Mais il y a aussi une demande qui est élu qu'on y est. Élu à son monde, mon Dieu choisi. Il relève. Et tant que Paul sont élus, mon Dieu sélectionne lui. Et dit fini. Besoin. Eh bien, fais sûr que vous qui seyons élus, que mon Dieu relève, fais sûr que vous répondez à l'appel de Dieu. Mon Dieu relève. Répond. Bon Dieu, il est comme lui, hein? Bon Dieu, il est pour le quoi? Il est pour le quoi? Pour l'avancer ensemble avec lui. Bon, faut-il un petit intermédiaire, un petit mi-temps? Est-ce que vous monde à qui il y a une question qui est bouillie dans le cœur de sa mère Dieu qui t'a voulu? Font déclaration, mais disons parole. Ce parle là, les nets, peut-être qu'on parle avec un bouillon dans le cœur, et vous t'avez dit, vous mettez passer devant, vous mettez passer devant, c'est étude dans le fait. Étude dans le fait, ce n'est pas un terme, vous pensez que le terme, l'homme met en face sur lui, m'a pesé sur lui, m'a voulu sauter, m'a voulu pas connaître, parce que c'est ça qui a fait toile de fond, livre là. Faut connaître, vous pas passer, traverser salut, traverser la foi, traverser tout élément, vous pas connaître. Obéissance, vous pas traverser, vous pas connaître. Et est-ce que mon monde derrière, surtout derrière, il y a mon vélo vini pour chita pipe, parce que dans chita pipe, même pas qu'à pas qu'à finir toi, pas qu'à finir visage. Parce que m'vle oué qui monde qui n'a obéissance, qui monde qui vient dans l'étude, ça veut dire que dans chita l'homme, non, il doit faire un mauvais jugement sur. Il doit quoi? Parce que monde qui vient dans l'étude, c'est eux considéré comme monde. Oui, c'est eux qui monde l'église. Là, monde est visiteur, oui. Visiteur, oui. Vous qui venez l'église, non? Cap prend formation. Si vous avez fait ce monde, vous n'avez pas dit faire parce que vous avez fait un courant à savoir. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait sérieux. Ça fait que je dis à côté de moi, je ne sais pas si vous avez fait un courant à savoir, mais faire effort pour éviter tout le monde qui est dans l'église. Il y a des fois que vous n'avez pas fait une excuse, pas qu'à venir, ça a raté. Encouragez le venir. Les gens n'ont pas de connaissance de la Bible pour vous. Les gens n'ont pas de quand tu es en faveur, laisse aller comprendre plus bien. Il a plus bon même, la comprendre plus bien. Fais fort.